Bonjour à tous, ici Akadet MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 12 sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD, les boys. Il est temps de continuer notre aventure après avoir tout simplement terminé donc, le dernier temple de la première phase du jeu. Et donc, ça a eu pour but tout simplement de déclencher une cinématique très importante. Nous avons donc rencontré le roi des ombres, Xanto, qui a donc privé, si je peux dire, Midona du pouvoir des ombres, c'est-à-dire qu'elle a plus de pouvoir. Et en fait, il lui a tout simplement incrusté la lumière dans son corps, ce qui fait que maintenant elle est complètement malade, elle est toute blanche. Regardez, elle est pas bien du tout, et on va devoir aller la sauver. Ça va être assez épique, ça va être une scène très importante ce qu'on va voir, donc ça va être assez cool. Et donc là, nous nous retrouvons en fait, si vous voulez, dans l'interphase, l'inter-seconde phase du jeu, puisque maintenant, vu qu'on a fait la première phase, à savoir les trois cristaux d'ombre du jeu, donc de la première phase, maintenant on va devoir faire les trois autres parties, ce qui fait qu'il y aura encore trois autres donjons supplémentaires. Vous allez voir, ça va être stylé. Bref, allez, c'est parti. Donc là, le jeu nous laisse sans voix, c'est-à-dire qu'on est à nous de deviner où est-ce qu'on doit aller. Mais en fait, c'est tout con, il faut juste qu'on retourne au château d'Hyrule, à un endroit très précis. Nous devons retourner à la taverne de Thelma. Sauf que là, le problème, c'est que nous sommes en loup. Et quand on est en loup, les habitants nous chassent. Forcément, tu ne peux pas avoir recevoir un loup dans ta baraque. Comme ça, voilà, ça fait un peu con. Donc du coup, nous devons retourner à la citadelle. La citadelle d'Hyrule, hein, simplement. Et en fait, on va devoir rencontrer un chat. Un chat qui va nous parler, puisque quand on est en animal, en fait, ils peuvent nous parler, on les comprend, tout simplement. Et puis, il va nous donner la voie, enfin la direction, pour passer sous le château d'Hyrule, pour pouvoir accéder à des zones, etc. Vous allez voir, ça va être cool. En fait, il va falloir qu'on retourne tout en haut de la tour, là où il y a la princesse Zelda. C'est là qu'on va devoir aller, en fait, pour que Midona redevienne nouveau normal, en fait, tout simplement. Donc, on va retourner ici, hein, tranquillou. Donc oui, forcément, je spoil un petit peu l'histoire du jeu. En même temps, le jeu est sorti il y a très très longtemps. Je doute que tu as des gens qui ne connaissent pas en fait le jeu. Voilà. Bon, écoutez, moi, je le connais. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas spoil le jeu. Tu vois, je vais pas faire semblant de redécouvrir le jeu, tu vois. C'est voilà, je le connais, donc voilà. Bah, si vous voulez voir quelqu'un qui découvre, hein, je vous invite à regarder quelqu'un d'autre, hein, simplement. Mais bon, moi, je connais, donc je me sers de ma connaissance. En tout cas, je m'excuse hein, pour le temps d'attente entre l'épisode 11 et celui-là. Mais vous savez, il y a la période de canicule. Donc quand il y a la période de canicule, vu que moi je n'ai pas de clim, bah, j'ai pas forcément envie de tourner de vidéo parce que les appareils ça chauffe, etc. Et t'habites très chaud, c'est pas grave. Là, ça va, ça s'est un petit peu calmé. Donc du coup, on peut continuer à tourner tranquillou. Alors je crois que... Non, ça le monde sort d'ici. Je crois qu'il faut qu'on se fasse d'abord éjecter. Voilà. Un instant. Donc la musique est très triste. Donc là, nous avons un cas. Tu es Link, n'est-ce pas? Je le savais, mon instinct ne me trompe jamais. L'instinct du cas. Je m'appelle Louise, on s'est déjà vu dans la taverne, tu te souviens? Je dois avouer que je ne comprends pas très bien pourquoi tu as changé d'apparence. Rappelez-vous, donc c'était la chatte, si je peux dire, qui était donc en compagnie d'Iria et du prince Lars, qui était en train de mourir littéralement. Hein, donc, avec ta dégaine, ne t'étonne pas si les humains cherchent à te mettre dehors. Tiens, tiens, encore un blessé à sauver, c'est une habitude. Je t'en prie. Une princesse Zelda. Voilà, vous l'avez compris. On doit retourner dans la tour où se trouve la princesse Zelda. Pour que j'imagine lui donne un coup de pouce, hein, si finalement. Hein. Par là. Voilà, passe par cette fenêtre. Le passage sous le toit mène aux égouts du château. Seulement, il est plus utilisé depuis très longtemps. Attends-toi à passer des moments difficiles. T'inquiète pas. Ensuite, c'est à toi de te débrouiller pour que les humains ne te voient pas. Eh oui. Donc il va y avoir un petit peu d'escalade à faire, ça va être un peu chiant, mais on va y arriver. Hein. Donc là on pousse ça, alors forcément vu qu'il y a de l'eau ça glisse. Non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Allez vas-y monte, monte. Mais non.
Allez, me fais pas perdre du temps. Bon, allez, vas-y, regarde, regarde. Voilà, tu vois, c'était tout con. C'était, fallait juste faire ça, en fait. Voilà. Ah là là là, je te jure. Donc là, regardez, il faut pas qu'on tombe en bas, en fait. Il faut pas qu'on aille en bas parce qu'on va se faire chasser. Après, il va falloir à chaque fois recommencer. Donc, du coup, regardez. En fait, il y a des cordes qui sont juste là. Sauf que là, il faut pas passer parce qu'il y a des pots. Si on fait tomber les pots, bah, ça va attirer l'attention. Et on va se faire littéralement griller. Alors, on peut écouter, mais. J'accompagnais Thelma sur ordre du doyen, mais l'air de la ville est mauvais pour ma peau. Voilà, bon, c'est des petits messages comme ça. Alors là, il faut faire très attention. Ne pas faire tomber un pot. On peut écouter ici. J'ai appris que le monstre qui terrorisait les voyageurs sur le pont à l'ouest a été vaincu par un ami de Thelma. Voilà, donc il parle de nous en fait. C'est un jeune homme qui s'appelle Link. Il a escorté à lui seul Thelma et une cliente jusqu'à Cocorico. Ah bon? Je ne pensais pas qu'il restait encore des hommes de cette trempe dans ce pays. Ah, mais justement, il n'est pas du pays, lui. À ce qu'on dit, il vient d'un village situé dans les terres de Latouane. C'est comme on dit, tu sais, les ignorants n'ont pas froid aux yeux. Ah oui, au fait, je tourne cet épisode à 4h35 du matin. Voilà, bon, c'est une petite anecdote à la con, mais je tenais à ce que vous le sachiez, parce qu'en ce moment, je suis complètement déréglé. Je me couche à 6h du mat, 7h du mat, et je me réveille à 16h. Donc je suis complètement déréglé, ce qui fait que je tourne des épisodes à... Ah, je sais pas quand. Tout simplement. Voilà, donc là, regardez, ça, on va en croiser beaucoup dans la deuxième phase du jeu. C'est en gros, juste pour le 100%, hein. C'est rien de truc. Mais vous obtenez une âme de spectre, vu fait un con, vous en avez trouvé sur l'écran de quête, même si on en a trouvé déjà beaucoup avant. Mais là, on va en trouver plus dans cette phase. Et en fait, si vous voulez, ça sert pour ce monsieur qui est là. On peut lui parler. Oh, mais merci d'avoir détruit ce fantôme, je peux t'appeler chien, chien? Je m'appelle Giovanni. Aveuglé par la cupidité, j'ai vendu mon âme pour devenir riche et je me suis retrouvé dans cet état. Je ne peux plus bouger, je peux pas voir ma fiancée. Mon chat Isodore a été pétrifié sur ma tête. Ma mort est un enfer. S'il te plaît, chien, chien, quand tu sortiras d'ici, tu pourras me débarrasser des 20 spectres qui se cachent dans les ténèbres. Je pense que si tu arraches aux âmes spectres les morceaux de mon âme qui se sont partagés, je serai libéré de ce calvaire. Ah, mais avec cette pluie, tu peux pas sortir directement. Je vais trouver l'entrée des égouts. Voilà, de toute façon, on est obligé de lui parler pour qu'il ouvre l'entrée des égouts. Et je sais pas si vous avez vu ce que c'est que le sol, mais ce sont des pièces. Quand la pluie aura cessé, tu pourras entrer ici et en creusant sous le mur de l'entrée, en passant par le repère des chats. D'accord? Voilà. Bah écoutez, nous on y va. On descend dans le noir. C'est-à-dire qu'il se passe, il se passe rien, tu tombes dans le void. Marche arrière! Arrière, mécréant de rat! Donc là, nous, il faut qu'on aille là-bas. Voilà, donc on est vraiment dans les égouts, hein. Ouais, rafting! Donc là, nous avons une Kiki en face, donc là, faire attention. Je n'arrive pas à l'attaquer. Fallait juste que j'attende qu'elle baisse sa garde. Eh, vas-y, baisse ta garde, la Kiki. La Kiki! Voilà, merci. Là, il faut qu'on prenne ça. Voilà. Ah, attendez, on n'a pas fini, on va peut-être allumer les torches. Alors, ça ne fait strictement rien d'allumer toutes les torches. Mais c'est juste au cas où, si la montre elle s'éteint, on n'a pas besoin de retourner en arrière. Du coup. Bah, on va allumer ça. Hop. Ah, je crois qu'il n'y en a pas besoin pour. Non. Voilà. Là, il va falloir qu'on creuse. Creuser.
Voilà, nickel. Voilà, donc on passe vraiment, vraiment dans les égouts en fait du château d'Hyrule, hein, tout simplement pour pouvoir ressortir tranquillou. Là, nous avons des ratatouilles. Et c'est ici que c'est chiant. À partir de là, ça commence à être un petit peu chiant l'ascension parce que nous avons des arcs, des archers qui nous tirent dessus. Et il faut pas qu'on tombe parce que sinon on doit tout se retaper en fait. Attends voir. Là je peux pas y aller en fait parce que vu que Midona elle est pas en état, on est obligé de céder les cordes. Et c'est ça que je vous disais, c'est qu'en fait il y a des archers qui vont nous tirer des flèches pour nous faire tomber en fait. Ah c'est bon, il est tombé. Ok, on aurait pu passer par là mais c'est pas grave. Je veux juste pas tomber. Et réussir du premier coup, ça serait cool parce que l'effort présent quand j'avais joué au jeu tout seul, ben j'arrêtais pas de me casser la gueule en fait. Et c'était chiant. Hop, on continue de monter tranquillou. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais on va vraiment se retrouver sur le toit du. Non! Non! D'accord, je vous disais que c'était chiant. Ah là là. Je crois qu'il faut juste s'en battre la rate en fait de l'archer. Hein. Tu fonces. Tu cherches pas à comprendre. Ah si, je retombe, je hurle. Alors, il faut pas que je hurle en fait, parce qu'il est quand même 4h35. Donc à 40 maintenant. Regarde, tu l'ignores. Tu cherches pas à le taper parce que si tu le tapes, tu tombes dans le vide. Il y en a un là, je pense qu'il va m'attaquer. Non, non, me tire pas dessus. Il m'a raté, c'est bon. C'était juste la difficulté, c'était ça. Ah. Oh j'ai fait une doublette. Oh j'ai fait une doublette. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop, on ressort par là. Je pense que vous allez reconnaître l'endroit, n'est-ce pas? Voilà, on est vraiment sur le toit du château d'Hyrule là. Alors là faut juste pas tomber ici parce que ça fait chier. Aïe. Pendant que je perds des cœurs inutilement. Il y a un cœur ici. Non. Ah c'est bon. Voilà, donc là la différence c'est juste qu'en fait le château d'Hyrule il est pas... Enfin on est pas dans le monde des ombres là, on est vraiment dans le monde de la lumière. Mais... On est transformé en loup depuis qu'on a rencontré Xanto. Du coup il y a ces oiseaux là à la place. Alors, on va pas tomber dans le vide s'il te plaît, merci. Là il faut attendre. Voilà, ne fais pas la même erreur. Là on peut sauter ici. Voilà, nickel. On reconnaît le chemin, n'est-ce pas? Au pire lui on s'en fout, on n'est pas obligé d'attaquer. Et voilà, on retourne ici. Cinématique, c'est parti. S'il te plaît. Sa malédiction, dis-nous comment la lever. Il est le seul à pouvoir sauver votre monde. Alors, princesse, s'il te plaît, aide Link.
la triforce de la sagesse. La magie qui l'emprisonne sous cette forme est différente de la magie des ombres. C'est une puissance malfaisante qui va nous servir, vous allez voir. À partir de là, ça va être tellement, tellement plus pratique. Dans notre monde, de la même manière qu'il y a la lumière pour dissiper les ténèbres, il existe une magie pour dissiper le mal. Caché au fin fond des terres sur lesquelles veille l'esprit Firon, se trouve un sanctuaire dans une forêt. C'est là que vous devez aller. Un sanctuaire dans une forêt, mais qu'est-ce que ça peut être? À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Ah bah, en cet endroit secret repose l'épée de légende pourfendeuse du mal, forgée par les sages des temps anciens. Fuck! Je pensais pas qu'elle allait le dire tout de suite. L'épée de légende est une épée sacrée que nulle créature du mal ne peut toucher. Aucune forme que prend le mal ne peut résister à cette épée. Elle saura déchirer le charme qui te recouvre et lever l'enchantement. Link, héros choisi par les déesses. Tout comme toi, en moi résidant des pouvoirs conférés par les déesses. C'est bien, Link. Maintenant, tu sais où aller, et tu n'as plus besoin de moi. Alors, je ne t'aide pas forcément les voies exactes, mais bon. Princesse, j'ai une dernière requête. Dis-lui où se trouve le miroir des ombres, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça, le miroir des ombres? Midna, je pense avoir compris qui tu es vraiment. Malgré ces blessures qui t'accablent, tu te bats pour nous. Nous sommes la cause de trop de tes souffrances. Midna, accepte ce don. Prends. Et là... Non, Link, arrête là! Voilà. Donc, je pense que avec cette scène, vous avez certainement compris qui est Midna en fait. En fait, Midna, c'est tout simplement la princesse Zelda, mais du crépuscule en fait. Voilà. Donc en gros, là, la princesse Zelda de la lumière, c'est en gros si vous voulez sacrifier pour entrer dans le corps de Midna. C'est en quelque sorte ça en fait. Link, nous repartons pour la forêt de Firon. Zelda, j'ai pris tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu étais. Mais comme c'est un monde à part, en fait, limite, les deux princesses Zelda existent. Voilà. Et donc là, nous sommes toujours en loup, en fait. C'est-à-dire que là, fuck it, en fait, t'es toujours en loup. Mais il va se passer quelque chose. Ceci. Et voilà. Donc ça c'est Xanto, hein, je pense que vous en doutez. Hein. Donc ça en fait, si vous voulez, c'est une barrière qui nous empêche de passer. Et la Midna, elle a les nerfs. Mais alors complètement. Hein. Bon, du coup, on doit retourner dans la forêt de Firon. Et la forêt de Firon, c'est pas très loin. Tu me téléportes. Cocorico. Je crois que la forêt de Firon, c'est la Toine. C'est ici. C'est ici qu'on doit aller. Et donc là, vous l'avez remarqué. Midna, on est dans le monde de la lumière. Mais pourtant, Midna, on la voit dans sa forme normale en fait. Enfin, on va pas parler de forme tout de suite parce que ça c'est la fin du jeu. Mais on va dire qu'on la voit comme si on était dans le crépuscule,
pas transparente quoi, pas en ombre. On la voit normale en fait. Alors lui, il faut pas que je m'approche parce que rappelez-vous, la dernière fois, j'ai pas payé. Donc du coup, normalement, si j'y retourne, il va me foutre une claque. Donc là, regardez où est-ce qu'on est là. Nous sommes ici. Nous avons des petites marionnettes. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Nous avons le retour du singe. Qui arrête pas de trucs là. Tu hook, tu m'as sauvé. Même merci, hook. J'ai trouvé un très joli bois de l'autre côté de la falaise. Mais quand j'ai essayé d'aller jusqu'au bout du bois, je me suis fait agresser par ces sales bêtes. Hook! Qu'est-ce qu'il y a dans ce bois alors? On va aller voir. Hein. Non, arrête de lui parler. Ok. Il y a donc une autre forêt au-delà de ce ravin. Allez Link, on y va. Oh! Ah ouais, et quand nous on était passé par là, bah on se doutait de rien en fait. Hein. Enfin si, moi je m'en doutais, mais pour ceux qui connaissent pas le jeu, bah vous étiez passé à côté de l'épée de légende. Que vous ne pouvez pas forcément accéder, hein. Je pense que vous en doutez. Mais... Donc là, il faut attendre que le vent tourne, n'est-ce pas? Énerve-toi, Zeus. Voilà. Là, on va faire attention. Attends, on va éviter de se faire bifler par un coup de bélier. Et alors ça, il faut le faire. En haut, en bas... Attends, refais. Ok, c'est bon, je crois que je l'ai. Oula. Non, attends, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est bon. Ça va devenir de plus en plus dur en fait à retenir la mélodie, donc là ça va, c'était encore assez simple, mais après ça va devenir plus compliqué en fonction des mélodies. Pour retenir le truc, c'est compliqué quoi. Là ça va, c'est bleu, donc c'est fausse note, je te jure. Ça va, le jeu est pas trop méchant quoi. C'est-à-dire, si tu fais une petite fausse note, il va quand même le prendre en compte. Donc je vous le rappelle, hein, si vous voulez être à l'aise pour battre les boss, les gros boss, même le boss final, il faut apprendre ces trucs. Ce sont les techniques du loup, en fait. Hein, c'est les bottes secrètes donc du gars, là, pour se faciliter la tâche, etc. Il faut vraiment qu'on fasse ça là dans le prochain épisode, une fois qu'on sera nouveau en humain. Comme ça, on sera tranquille. Voilà, en plus il y en a un juste ici. C'est nickel. Ok. Du coup, bah c'est par là. Hein. Tranquillou. On y va. Donc là, nous sommes dans le sanctuaire de la forêt. Il y en a encore une, t'es sérieux? Milieu, en haut, en bas. Oh là, attends, c'est comment déjà? Milieu, en haut, en bas. Y'en a encore une à côté de l'autre comme ça? Non, je pense que ça c'est pour déclencher le truc, je sais plus, ça par contre j'ai un doute. Attendez, va. Alors on fera pas gaffe au museau de Link hein, qui rentre dans la stèle.
Non, c'était effectivement pour faire apparaître donc le. Regardez ça. Alors lui, c'est un petit salopard qui va donc invoquer ses petites marionnettes là, ses petites poupées vaudou, ses pantins, j'en sais rien. Et en gros, lui, il fait penser un petit peu à Skull Kid. Écoutez la musique qu'il y a derrière. Donc là, on va bien évidemment récupérer donc l'épée de légende, hein, je pense que vous en doutez. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut toujours aller là où les portes s'ouvrent. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu, c'est un labyrinthe en fait. Il faut vraiment aller là où vous n'êtes pas passé et écouter surtout. Vous l'entendez là? Bah, il est juste là en fait. Et il faut lui mettre des coups. C'est un peu long cette phase. Donc ça, là, il s'est téléporté en fait. Et c'est à nous de le chercher et d'écouter dès qu'on entend sa trompette. Bah c'est que voilà. Attendez, parce que je crois que là on peut quand même aller. Non, pas du tout, ici on peut pas aller. Faut qu'on retourne en arrière. Alors ils vont pas nous lâcher en fait. Tant qu'on les tue pas, ils nous lâchera pas. Je crois qu'on peut aller là maintenant. Yes. Celle-là normalement elle va s'ouvrir. On va aller voir là-haut. J'entends pas sa trompette, donc forcément il est pas là. Donc il est ici. Lâchez-moi! Voilà, il est ici, vous l'entendez, hein. Il faut juste trouver le moyen de. Je crois qu'il faut aller par là. Donc là on l'a vu, hein, il est parti par là-bas. Foutez-moi le camp, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Par ici. Ah, on l'entend. Donc il est dans cette pièce. Alors là, je crois qu'il est sur un arbre en fait, ce con. En fait, là, il est sur un arbre, donc je crois que pour y aller, il faut passer par ici. Il invoque ses marionnettes là à distance en fait, hein, c'est ça qui est chiant. Il est juste là. Hus! Donc là il est devant cette grosse porte. Donc là c'est fini, sauf qu'il va falloir un petit peu le battre. Rien de compliqué. Il va falloir l'attaquer quand il invoque ses trucs, parce qu'il sera vulnérable. Sinon, il se téléportera à chaque fois qu'on se rapprochera de lui. Vas-y, invoque tes trucs là. Il est où?
Voilà, c'est quand il fait ça qu'il faut l'attaquer. Je crois qu'il lui faut 3-4 coups, un truc comme ça. Mais d'abord, il faut tuer ses pantins en fait. Là, c'est bon, je l'ai eu. En plus, ils meurent tous, c'est cool. Sont chelous leurs trucs hein. Voilà, là il est mort. Enfin, il est mort. Pas vraiment, mais là c'est fini. On a plus besoin de s'occuper de son cas. Hey, 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 bye bye. Alors, c'est parti. Rendons-nous ici pour une petite cinématique, j'imagine. Pas du tout. Ah, voilà, c'est là qu'on doit aller. Donc là, il faut hurler et il faut chanter ça. Faites ces fausses notes, le Link. Oh, ha, ha. Et donc là, nous arrivons sur quelque chose d'assez compliqué. On peut y passer des heures en fait quand on connaît pas la combine. Mais regardez bien. Nous sommes les esprits tutélaires de ces lieux. Guide-nous jusqu'à nos positions originelles. Si tu y parviens, nous te ferons pénétrer dans le sanctuaire. Voilà. Donc, là, en fait, si on bouge, en fait, les statues vont se déplacer, mais chaque fois à l'opposé de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si je vais à gauche, la statue va aller à droite. Si je vais à droite, la statue va aller à gauche. Si je vais devant, la statue va aller en arrière. Si je vais en arrière, la statue va aller devant. Sauf que, des fois, il y a des endroits où elle ne peut pas aller. Donc, du coup, ça la laisse là où elle est. Donc, il y a une combine, en fait, avec ça. C'est que quand vous êtes à cette position ici, et là, je vais mettre dans mes mots, il faut faire gauche-bas, droite-droite, haut-gauche, haut-haut, gauche-bas, bas-droite-haut. Voilà, vous faites ça, et normalement, les statues vont se placer, en fait, sur le truc en haut à gauche et en haut à droite. Et du coup, ça va nous déverrouiller tout simplement le truc. Donc, là, il faut qu'on fasse gauche. Bas, droite, droite, haut, gauche, haut, haut, gauche. Bas, bas, droite, et haut. Voilà. Et avec cette combine là en fait, vous pouvez rentrer dans le sanctuaire. Voilà, donc je me suis juste aidé d'un mémo en fait via un site. Parce que je voulais pas passer des heures à essayer de le faire tout seul parce que bon, il est 5h du mat. Quand même. Noble animal, tu nous as ramené en opposition d'harmonie. Nous allons donc te guider en la forêt sacrée. Ah, c'est plus à moi de me guider en fait, hein, mais bon. Et là, regardez, nous avons l'épée de légende, la lame purificatrice, la Master Sword, Excalibur. Bref, elle a tellement de noms cette épée qu'au bout d'un moment, tu sais plus quoi en faire. Moi, je l'appelle toujours la Master Sword. Ça, c'est un gros débat, en fait, pour les fans de Zelda. Mais vous, qui êtes fan de Zelda, moi, je peux pas dire que je suis un fan, parce que je ne connais pas tout dans le jeu. Mais quel est le vrai nom de cette épée?
Elle a plein de noms, tu sais jamais lequel prendre, tu sais jamais quel est le bon, t'en as ils disent que dire Excalibur c'est dégueulasse, arrête de dire ça sinon je te bute. À un moment donné, moi je l'appelle la Master Sword, parce que pour moi c'est trop stylé comme nom. Après il y a Excalibur aussi, mais Excalibur c'est tiré aussi d'un film, donc après tu sais pas en fait. Écoutez, voici donc la Master Sword, avec la Triforce dessus. Épée qui nous est bien évidemment que prêtée. Et là, t'es en train de te demander, mais comment ça se fait que Link, Lou, peut retirer l'épée? Bah non, pas du tout, parce que l'épée de légende va retransformer Link en normal. Et regardez le fragment que Xantou nous avait enfoncé dans le crâne est ressorti. Trop stylé. Donc là, on va dire qu'on est vraiment prêt pour la deuxième phase du jeu, qui sera tout aussi longue. On n'a pas encore fini. L'épée t'a reconnu comme digne de la portée. En plus, en version HD, c'est tellement beau. Le fragment de magie qui t'a empoisonné. Ça n'a vraiment rien à voir avec la magie des ombres. Fais attention, si tu le touches, tu te retransformeras en loup. Cet objet est trop dangereux. Il vaudrait mieux le faire disparaître à tout jamais. À un moment... Et si nous faisions le contraire avec ça, on pourrait te transformer en loup à volonté. Après tout, Xanto a fait tous ses efforts pour nous le remettre. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Si tu désires changer de forme, tu n'as qu'à me le demander. Avec ça, si tu me demandes de te déporter depuis ta forme humaine, je m'occupe de tout pour t'envoyer à la destination. Link, j'ai une faveur à te demander. Quelque part dans Hyrule se trouve le miroir des ombres. Tu ne veux pas m'aider à le trouver? Le miroir des ombres, c'est la seule chance que nous ayons pour retrouver Xanto. Et voilà. Pareil pour la deuxième phase du jeu. Et du coup, là, on a vraiment le stuff complet. Vraiment le truc classique de Legend of Zelda. C'est-à-dire qu'on a le bouclier lien avec la Master Sword. Parce qu'avant, on avait une épée basique, tu vois. C'est genre, ça allait pas trop avec. Mais maintenant, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Et ça, c'est cool. Et du coup, ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, on peut se téléporter à volonté et se transformer en loup à volonté. Grâce au fragment que Xantu nous avait enfoncé dans le crâne et que maintenant Midona a pu récupérer. Ce qui fait que maintenant, si on veut se téléporter à un endroit, je sais pas, par exemple là, si je fais ça, me téléporter, voilà, je fais ça, tranquille. Et que j'ai envie de retourner, je sais pas, moi par exemple à Cocorico, eh ben c'est possible. Regardez. Et voilà. Il n'y a plus besoin d'être en loup par défaut. Pour pouvoir se téléporter. Et c'est ça qui était cool parce que du coup, regardez quand on allait affronter les monstres là, ça faisait apparaître des portails juste au-dessus. Bah, ça sert justement à ça pour plus tard dans le jeu. Et voilà. Donc là, nous sommes retour à Cocorico, mais c'est bien évidemment pas ici qu'il faut aller. Quoique. Alerte! Monstre en vue! Planquez-vous, vite! Oui, c'est parce que moi je suis en loup, mais en fait il faut que je me retransforme. Hop, et on peut se transformer en Link. Et voilà. Bah voilà, bah écoutez les amis, je pense que c'est tout pour cet épisode numéro 12 sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD sur Wii U les boys. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson bien évidemment du youtubeur. Pensez à mettre un petit pouce bleu avant de partir, ça fera super plaisir. Et puis sur ce, on se donne rendez-vous très très bientôt pour la suite. La prochaine fois, il faudra qu'on retourne de nouveau à la taverne de Thelma, parce que c'est là-bas qu'on va pouvoir connaître nos prochaines destinations. Et donc voilà. Parce que oui, hein, une fois de plus, hein, le jeu ne vous le dit pas en fait. Je crois que si on fait start, mini carte, carte, voilà, ici. Normalement, le jeu ne te dit pas en fait où est-ce qu'il faut que t'ailles. Comment je dézoome? Comme ça.
voyez, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de petit drapeau où est-ce qu'il vous dit d'aller en fait. Mais en fait, c'est vraiment ici qu'on doit aller. Ah si, 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 j'ai rien dit. Autant pour moi. Il faut bien sûr aller là. Voilà, là où est dans le drapeau qui est ici en fait. Et au passage, on essaiera de faire les techniques du loup la fois prochaine. Peut-être qu'on sera. Ouais, je sais pas combien de temps il va durer l'épisode prochain, mais il faudra vraiment qu'on fasse les techniques du loup en fait. Ça pourrait être cool. On se téléportera ici. Je sais pas si là il y en a un. Il n'y en a pas ici. Donc là il y en a un. Est-ce que ici il y en a un? Ok, donc on a deux techniques du loup à faire. Donc on fera ça avant d'aller à la citadelle d'Hyrule. Et puis comme ça on sera paré pour les prochains monstres en fait, tout simplement. Parce qu'il y aura des monstres un petit peu plus coriaces, les boss, etc. Donc voilà. Donc sur ce les amis, assez parlé. Merci à tous et à la prochaine. C'est Taikonite. On se revoit pour le next episode. Oh yeah!